J'adore cette chanson. Merci beaucoup. La classe. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Johan. Bravo. Ben, merci. D'abord, parce que c'était vraiment, vraiment bien. Belle signature. Vous êtes un ovni un petit peu, hein? On a envie de dire une telle voix dans un tel corps, j'ai envie de dire. J'ai été très surprise de votre physique, très sincèrement. Vous êtes beau comme tout, vous dégagez énormément. Vous chantez juste mortel. Quel groove, une puissance vocale. Voilà, on a envie de vous faire voyager dans plein d'endroits. On vous donnait envie de partager. C'est mon but. Voilà. Merci. Moi, je suis parti très critique. Je me dis, ouais, il chante grave, c'est un peu jazz, ouais. Et puis, t'es monté. Bon, alors, j'avais plus d'excuses. Et puis, j'ai dit, ouais, mais il fout des vibratos partout. Et puis, t'as tenu des notes sans vibrato, donc je ne savais plus quoi dire. Et puis, c'est vrai qu'il m'a mis une claque, alors j'ai buzzé. Voilà. Voilà. Ouais. Merci. Entièrement d'accord avec lui, tu fais ce que tu veux avec ta voix, tu peux te permettre de chanter le plus grand amour de toujours, comme le dit la chanson, tu peux te permettre énormément de choses, t'as une voix, t'es exactement ce que j'espérais entendre ce soir, vraiment. Moi j'ai tardé à appuyer parce que c'était très beau, j'écoutais, en même temps je me disais, bon c'est un domaine dans lequel je maîtrise pas trop tous les vibes et tout ça, et tout, sauf qu'à un moment c'était tellement une belle performance que j'allais pas me retrouver derrière mes petits camarades à me dire que je t'appuyais pas, donc... J'ai appuyé, mais pour moi, ça serait presque compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait et où on va. Mais en même temps, tu peux peut-être m'apprendre des choses aussi. Donc, tu vas avoir vraiment le choix. Bon. Je pense que vous avez tous des choses à m'apporter, mais je pense que Garous, je pense qu'on vient vraiment du même univers musical, la musique afro-américaine, ça j'ai très bien capté la chose quand tu chantes, donc je serais très heureux de continuer tout simplement à être moi-même, parce que je suis dans cette émission pour être qui je suis en fait, donc j'aimerais être avec toi. Merveille, tu vas être...
Merci pour cette confiance. Ça va être juste énorme. Ça va être juste énorme. Il y a tout ce qu'il faut. Dites-moi d'où il vient, enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour où l'autre on sera tous papa. Et un jour à l'autre on aura disparu. Serions-nous détestables? Serions-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui vient. Tout le monde sait comment on fait. Des papas. Le seul titre on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous c'est caché. Ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? T'es où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? T'es où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa? Voilà, c'est mérité, hein. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marina. Marina? Marina. 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 Alors, éliminée. Tu as réinterprété la chanson et tu as eu des couleurs hyper intéressantes. J'adorerais savoir c'est quoi tes influences, mais je te demande pas de tout énumérer. Mais... J'avais un exemple quand j'étais très petite, enfin très petite, il y a au moins 9-10 ans. Jennifer. Ah ouais? Ah ouais. Avec Donne-moi le temps, les choses comme ça. Ah oui! Ça ne me rajeunit pas. Excuse-moi. Ah mais non, au contraire, ça me fait plaisir. C'est comme si elle t'avait déjà coachée Elle m'a déjà coachée avec les posters que j'avais accrochés quand j'étais petite. Ah ouais. Voilà, donc c'est bien que tu passes à un nouveau coach maintenant. C'est une super bonne idée. J'étais le premier à appeler et je te dis exactement pourquoi. Parce que j'ai entendu quelqu'un pour qui j'aimerais bien écrire une chanson. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a un son qui est pop, mais qui fait un peu de la pop intéressante. T'as chanté sans essayer de faire plaisir au public, sans essayer de nous plaire à nous comme coach, mais tu nous as plu complètement 100%. Tu nous as convaincus. J'ai une question, si je peux me permettre. En fait, la question est pour toi, Mika. Ça dépend. Si jamais elle allait dans l'équipe de Jennifer, est-ce que tu aurais toujours envie de lui faire une chanson? 100%. Et t'es malin. Ton interprétation était très maligne, et c'est très rare. Voilà, tu es tout ce qu'on attend dans The Voice, parce que non seulement tu revisites la chanson à ta manière, tu as une couleur qui est bien à toi, tu nous as captivés tous les quatre.